Et salut à toutes et à toutes les amis, si on peut, hein. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Arnaud dans la Révolution française, à mes dernières lignes droites du Dame King. On est dans la mystérieuse salle et cette fois-ci, on est pour de bon à la dernière quête. Et on va pas perdre plus de temps que ça, les amis, on va s'y rendre tout de suite. Là, la serrure. Maintenant, la clé dorée. D'accord. Donc la quête principale, il faut retourner donc sous clé. Voyez la clé dorée. On peut pas se TP, faut qu'on sorte. Les amis, lors du dernier épisode, on avait réussi à finir. Il me semble ce coin-là, c'est bon. Hein. C'est fait aussi. Ouais, 3. Ah non, il y a un coffre. Encore un coffre. Je sais pas où il est. Putain, il me manque un coffre. On va voir si on peut pas le trouver. En vrai, si j'avais su, j'aurais pu finir le dernier épisode. Hein. Je vais t'égorger! Il faut partir d'ici au plus vite! Dégage ton épée! Ok, j'ai trouvé le dernier coffre. Le lâche. Il y a quelqu'un? La fin approche! Je veux faire tes adieux! Monsieur. Tu vas mourir! J'attends. Il s'est évanoui. Tu es à... Tu ne partiras pas. Approche, je ferai vite. Ok, cette fois-ci j'ai tout. Il m'a plus qu'à ressortir, les amis. Hein. Alors ça m'énerve parce que j'ai oublié de ressortir par la cathédrale. C'est pas normal. Par où je vais. Je t'assure que je profiterai de ta mort. Je vais gagner, sois-en sûr. Finissons-en. N'est pas rêvé.
Je me perds, les amis. Non, pas par là, c'est l'autre côté. Désolé les amis, je perds énormément de temps. On peut pas se TP, je trouve ça un peu dégueulasse. Là disons que je perds 10 minutes à... Le problème c'est que je préférais sortir de ce côté là parce que avec les gardes à la cathédrale c'est un peu chiant. Bon, on va continuer la quête principale, les amis. De toute façon, je pense que la clé, il faudra la voler dans les souterrains. En train de me poser une question, les amis. Est-ce que vous croyez qu'Élise aurait été d'accord avec tout ce que fait Arnaud? Ah, va l'entendre. Pas sûr que ce soit le dernier épisode, les amis, hein, mais on s'en approche quand même. Bonjour. Qu'est-ce que tu faisais? Rien. Tu as trouvé la serrure? Oui, mais il me manque la clé. Tu te souviens du soldat qui portait le coffre du petit commandant? Je viens de voir au marché. Merci. Et je t'ai dit de rester ici, tu te souviens? Oui, monsieur.
Maintenant, conduis-moi à la clé dorée. S'il se passe quoi que ce soit d'anormal, prévenez-moi. Oui, chef. Arnaud, comment te portes-tu? Où es-tu? Bon sang, je dois rester concentré. What the fuck? Alors, j'étais très mauvais, les amis, hein. Je vous l'accorde, mais... Mais on est d'accord que là, les dernières... Ouah, cette maudite séquence, c'est... Qu'avez-vous trouvé cette fois-ci? De l'argent. Assez pour remplir un coffre. Donne-le-moi. Le commandant ne se doute toujours de rien. Il passe son temps à Paris. La somme habituelle, plus une prime. Parfait. C'est toujours un plaisir de traiter avec vous. Où tu vas? T'as changé? T'es encore fait dessus?
moi, Arno. Non. Désolé, vieux. Un homme, commandant. Tu ne vas rien faire. Dis-moi où se trouve le coffre contenant la clé dorée, ou je dis à tout le monde que tu es un voleur. Cela n'a jamais fait de tort à personne. Comme un rat qui grignote une pomme? Comment le sais-tu? Le commandant trouvera sans doute la comparaison instructive. Le coffre est sous bonne garde dans les grottes. Tiens. Merci. Maintenant disparais. Pourquoi toute cette fébrilité? Devenir un vieux soldat, faut savoir quand se replier. Ok, et donc. Donc ça serait l'entrée de ce terrain là ou suite du. Donc ça c'est l'entrée du souterrain. Donc ça va être celui-là. Putain, je crois que j'allais jamais le battre. Jamais revenu par cette partie-là de la grotte. Ok, je crois que je suis jamais descendu par ce côté-là des souterrains. C'est parti. Je vais en faire autant. Tu as dû malmener un boutiquier de sang. Une nonne s'est vengée. Alors Arnaud, tout va bien? Arnaud. Ah oui, je sais pas, il y avait des alliés. Personne n'échappe à la loi. Je vais conduire. Ah non. Je t'ai retrouvé. Oh. Les casse-couilles. Donc les amis, dans ce côté-là et dans ce côté-là, il me reste... Ouais, faut que j'aille là, tout est là. Enfin, il n'y a pas tout, mais il y a l'objectif, il y a trois coffres.
Ouais, j'avais mis un repère. Je sais pas comment j'ai fait ça. Ah, une lame fantôme, sans ça pas le jeu. Je sais absolument pas comment j'ai mis le truc de ciblage là, pour être tout à fait honnête avec vous. Eh ben, il est temps de changer d'air. Non, je ne peux pas finir comme ça. Ok, je vais juste avancer encore 2-3 minutes, les amis. Quoi, la quête qui vient d'apparaître là? Ah, une option de diversion. Ok les amis, donc je m'attendais à finir ce jeu à cet épisode là, mais il s'avère que je sais pas comment j'ai mis ce marqueur, j'espère qu'il s'effacera. Les amis, on va mettre un terme à cet épisode, on finira les deux dernières quêtes dans les prochains, on a le temps, hein. De toute façon je vais pas vous mentir, mais moi j'aimerais savoir ce qu'il me reste. Donc là il reste deux artefacts, la moitié des coffres et deux beacons de Bonaparte. Il faut que je tue quelqu'un et j'ai une opportunité de diversion. Donc on fera tout ça dans le prochain épisode. Et ensuite il me restera la carrière. Donc là j'irai me TP au moulin. Je descendrai par le souterrain et puis je finirai par ce côté là je pense. Pour avoir la tenue de Napoléon. Ok les amis, on est bon. On est bon pour moi.
Merci d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve pour les derniers. Hein. Il n'en reste plus beaucoup. C'était Empereur. Je vous dis à la suite. Au prochain numéro, les gens. Salut.